Allez, on va chercher la source. Vous êtes prêts pour une grosse séance aujourd'hui? Ça va être chaud, il va pas être content comme d'habitude, regardez-le. Hakim, ça va? J'ai ripé. Donc déjà, il fait pas la séance avec nous. En plus de ça, je sais pas avec qui il s'entraîne. Et deuxièmement, tu le prends avant moi. Non mais j'ai ripé. Je voulais que... Mec, j'essayais de cliquer sur Hakim, sur la source, et j'ai ripé sur Mathéo, mec. Sinon, C'est j'aurais quoi, jamais fait. tes doigts, ils sont trop stock, c'est ça? Ils sont Bah devenus. mec, ça t'éma. Ah oui, t'as des doigts de maçon là. Ça va ou quoi? Ça va, tu vas bien? Bah bien, hein, là, je suis bien, là, j'étais prêt à faire un petit dodo. Non, jure, t'es fatigué? Non, pas du tout, t'es ouf ou quoi? Jamais, moi. Bon, t'as bien mangé? Bien manger, pas trop déconner. Le week-end, tu Ouais. connais, le week-end, le petit dimanche, on se lâche un petit peu plus, Ouais, mais très léger, quoi. classique. Ouais, Mais très léger. normal. Non, non, ça Gros, va bien, franchement. Hein. tu t'es pas entraîné hier? Non, je me suis entraîné samedi, mais pas hier. Ouais, J'ai ok. fait, la semaine dernière, j'ai fait du coup 6 séances sur la semaine. Ah, c'est-à-dire qu'entre nos séances, toi, tu t'entraînais, mais tu faisais quoi? Muscu, c'est-à-dire? Muscu, ouais, en fait, quand je suis pas avec toi, je fais renfo, quoi. J'ai une petite séance de muscu avec mes poids, où je fais les Ouais. bras, les épaules, les pecs, Ok. les abdos. C'est moins hard parce que, évidemment, quand on fait ensemble, je me dépasse, mais Ouais. ça fait vraiment du bien. Bon, ok. Au top. Et aujourd'hui, C'est tu te des sens séances dures. comment? Là, je me sens, je me sens bien. Hein. Je t'ai dit, là, je te jure, j'étais chaud pour faire une sieste. Mais je vais me Ah, mettre dedans. donc réellement, tu es un peu fatigué. Mais après, est-ce que c'est de la fatigue et que tu sens que c'est de l'accumulation ou c'est juste la fatigue fainéantise? Fainéantise de ouf. Ah, ok. Bon, la fatigue fainéantise, elle se transforme très rapidement. Très C'est rapidement. Non, non, bon. ça va. Non, non, ça va. Niveau physique, je me sens bien. Bon, ok. Et toi? Ben moi, écoute, ça va, hein, franchement. Ben comme d'hab, hein, mes journées sont rythmées par soit les lives, soit mes occupations à la maison, avec, bref, les programmes et tout, et le Ramadan, voilà. Ok, bon Mais bah j'ai écoute. hâte de retrouver ma pêche, ma Bah réelle bien pêche, sûr. tu vois. Bah c'est un truc de ouf hein, ce que tu fais force encore une fois à tous ceux et celles qui le font. En Ouais. plus en faisant des séances, c'est bon. Si vous avez des questions posées à Hakim, je suppose, t'as déjà répondu à Ouais, Hakim sur le sujet. Parce que j'ai moi déjà je peux pas répondu. vous répondre, mais il doit y avoir un nombre de questions, mon gars, sur le sport Ouais, pendant le Ramadan. y a pas mal de questions. En vrai, c'est très simple, hein, mais il y a pas mal de questions différentes qui amènent tout le temps à la même réponse. Mais j'y répondrai encore, je pense, par la suite. Ok. Bon, Qu'est-ce qu'il nous faut voir aujourd'hui? eh ben, tu veux la vérité? Aucune, enfin, rien. En fait, j'attendais réellement de savoir. Bon, bien sûr, j'ai des idées dans la tête. Mais j'attendais vraiment de savoir comment tu vas, comment tu te sens physiquement. Parce Ça va, qu'hier, ça je va. t'ai pas entraîné, on s'est pas vu depuis quelques jours. Enfin, bref. Et ça va être une séance semi-improvisation dans le sens où je voulais savoir comment t'allais. Moi, j'ai une petite idée derrière la tête et on Vas-y, va y vas-y. aller sur ce tempo. Vas-y, Mais vas-y. je vais prendre la télécommande du chrono. Mais avant ça, tu vas partir sur un petit échauffement. Tiens, elle Ok. a la télécommande. Hakim, je vais boire, mais je veux pas te montrer, je te montre plus pour te mettre le seum, Non, tu sais, ok? dès que tu cliques sur Instagram, tu vois des hamburgers, tu J'avoue. vois des machins. J'avoue. Alors, c'est pas toi qui bois avec 4 pixels au niveau de la qualité qui va me faire envie. Bon, regarde, c'est très simple. On va se faire un petit exercice qui est franchement pas mal déjà, qui dure 10 minutes. Ouais. Ouais, qui dure 10 minutes. Tu vas avoir. Chaque exercice va durer 1 minute, ok? Tu vas OK. avoir des jumping jacks, je vais le noter comme ça au cas où tu me poses la question, moi aussi je me. Tu vas avoir, en fait, deux tours de 5 exercices, ok? OK. Tu vas avoir des jumping jacks, tu vas avoir des montées de genoux, tu vas avoir du gainage dynamique. Est-ce que tu vois ce que c'est, gainage dynamique? Non, pas du tout, c'est quoi? T'es sur les mains et tu ouvres et tu fermes tes jambes en position de gainage. Joli ça. Tu vois où je te montre? Non, bah, non, mais je vois, tu fais comment? Tu jumpes avec tes jambes? Exactement, tu es en position de gainage. Bon, tu vas peut-être pas me voir là. Et tu ouvres et tu fermes tes jambes à chaque fois. OK? Donc ça, C'est pas mal ça. ouais, c'est pas mal, hein. Ça, c'est ton troisième exercice. Sur le quatrième, c'est très simple. Tu vas avoir des tap shoulders. OK? Ok. Celui-là, tu le connais. 3, 4, 5. Et sur le cinquième, tu vas avoir des squats. Allez, on est OK? là. Deux tours, 10 minutes. Un bon moyen de se chauffer. Et on part dans quelques secondes. En 10 minutes, c'est un peu plus que d'échauffement, là. Ça commence un peu. Ouais, mais alors c'est un échauffement dans le sens où je veux pas que tu y ailles de manière effrénée, je veux que tu Ouais. prennes ton temps, tu vois, tes articulations, il faut qu'elles se chauffent petit à petit, tu Ok. vois, c'est 1 minute, je te demande pas sur 20 secondes genre explosif. Ouais, ok, ça roule.
Allez, clac, clac, allez, clac. Tout le monde, on est reparti, c'est lundi là, c'est la séance du lundi, on la connaît celle-là. Ouais, on la connaît celle-là, elle est un peu fatigante à commencer, et après on est fiers de nous à la fin. Voilà. Allez, 4 secondes, 3, 2, 1, jumping jack, et on attaque sur 1 minute. Vas-y, tranquille, hein. Tes genoux, ils se font au mouvement, tes chevilles aussi. Allez-y de votre côté, vous avez 2 tours, on est déjà parti pour 10 minutes, 10 minutes d'échauffement. J'ai cassé le truc, c'est pas grave. Et le pneu est là. Le pneu. Ouais, le retour du pneu, exact. Ah, il reste 35 secondes. Je sais qu'il est long, cet échauffement. Putain, vois mon vide, mon t-shirt est trop court. C'est le t-shirt. Ah ouais, bon, ça va. On va pas non plus. Il reste 20 secondes. Sur le prochain, ça sera des montées de genoux. Allez, mettez-vous un petit peu aussi dans le tempo, vous aussi dans le jus. On essaie petit à petit de rentrer dans la séance, faire monter un peu la température du corps. 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, démontez de genoux. Détente. Voilà, parfait. Pas besoin d'être super explosif. On y va tranquille sur les montées de genoux. OK. Respirez. Ça tremble chez moi, le premier étage tremble. T'as un sol en bois, en parquet? Enfin, en parquet, ouais, en vieux bois. Ouais. En mousse. C'est que de la mousse. 35 secondes restantes. Putain, j'ai envie de faire pipi, Hakim, j'ai oublié d'aller faire pipi. Ah là, tira. Oh là là. Bah, tira. Oh punaise. Bah, si ça peut pas attendre, on met pause. Non, là, je peux tenir. Ok. Allez, il reste 15 secondes. Hello. Salut. Ça va? Oui, ça va. 6 secondes avant de partir sur du gainage dynamique, tout le monde. 3, 2, 1. Allez, gainage dynamique, let's go. Ah, vous ne me voyez pas là, si? Si, on te voit. Mets-toi sur les mains. Tu auras beaucoup plus d'amorti. Ah oui. Voilà, et ça sera mieux pour ton dos aussi. Ta position sera plus droite. Allez tout le monde, let's go, on se met en gainage dynamique, on ouvre, on serre, on ouvre, on ferme les jambes, pensez bien à serrer les fesses. On est parti sur 10 minutes d'échauffement et là il nous reste 7 minutes et 30 secondes, 30 secondes donc pour le gainage dynamique. Elle fait aussi, elle est en gainage dynamique. 17 secondes. Attends. Il fatigue un peu les bras aussi. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, le prochain, c'est tap shoulders dans 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, let's go, c'est parti. Putain. On enchaîne sur des tap shoulders. C'est chaud d'enchaîner directement. Ouais, j'ai le droit. Salut Hakim. Salut, ça va? Oui, moi je fais du yoga dynamique. Bonjour, hein. Tu peux dire à tout le monde aussi. Ah oui, pardon. Donc on est en FaceTime avec Hakim. Moi, à côté. Bon, ça va, ok. Excuse accordée. Ah non, mais c'est bon. Hein. Non, mais je rigole, c'était Titi. Non, je plaisante. 28 secondes. 25 secondes et le prochain, ça sera des squats. 20 secondes. Allez, tenez bon tout le monde, mettez-vous en... Tiens, je me demande si je vais pas faire le chroniqueur aujourd'hui aussi. Allez. 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, let's go sur les squats. Le dernier exercice du premier tour. Pareil, les squats. Essayez d'avoir les talons, j'arrive même plus à trouver mes mots. Bien ancré dans le sol. Voilà. Et tu descends les jambes. Voilà, parfait. Tu sais que les meilleurs squats sont effectués par les enfants parce qu'ils ont une aisance et un no calcul dans le mouvement. Pour eux, c'est tellement naturel. Tu peux voir des bébés faire des squats et c'est le mouvement parfait. Alors que nous, quand on grandit, en fait, notre, 20 secondes. Notre mécanique du mouvement, elle change
Et ça devient beaucoup plus dur pour un adulte de faire un squat que pour un enfant. Si tu lui montres 2 secondes un squat, il va te le faire en le plus beau squat que tu aies jamais vu. Alors qu'un adulte, il faut le corriger parce que forcément, il a pris des mauvaises habitudes au cours de nombreuses années. 3, 2, 1. Allez, let's go. Jumping jack, sauf si tu vas aller faire pipi. Ouais. Allez, jumping jack. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Toute la famille. Parfait. Allez, 45 secondes. Elle est trop mignonne. Elle est au taquet. Ouais. Allez, 33 secondes. Accrochez-vous. C'est 10 minutes d'effort, 2 tours de 5 exercices. J'ai envie de faire pipi, Hakim. Aïe, aïe, aïe. Attends, essaye d'attendre. Là, il reste 4 minutes et 20 secondes. Je vais attendre, je vais attendre. 15 secondes. 9 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, let's go. On part sur des montées de genoux, montées de genoux, montées de genoux. Parfait. 50 secondes. Allez, on est au début des montées de genoux. Deuxième tour. C'est beau, c'est beau, c'est bien ça. 33 secondes. Allez, tiens bon. 10 burpees aujourd'hui. Je t'ai dit, la journée, je l'ai pas encore, enfin la séance, je l'ai pas encore prévue là. Je suis en pleine réflexion. 15 secondes. 10 secondes. Mais 5, 4, 3, 2, 1. Gainage dynamique. Allez, let's go. Voilà. Tu fais des pauses, mon cœur, toi, tu sais. Ouais, elle peut faire des pauses, hein, bien sûr. Jambes serrées, jambes écartées comme ça. Exact. C'est bon, j'ai ton premier exercice. Il reste 26 secondes. 12 secondes, accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. 3, 2, 1, let's go, c'est parti pour l'étape shoulders. Voilà. Ah, c'est un échauffement un peu vénère. Ah, je te l'ai dit, c'est 10 minutes. C'est le but, c'est pas que tu sois mort sur le cardio, mais quand même que tu sentes ton corps bien, bien se réveiller. Il se réveille bien ou quoi? 28 secondes. secondes. Allez, on tient bon. Comme j'ai pas de chaussures, je glisse. Maintenant, mais fais des pauses. 7 secondes. 1000 secondes. 3. 2, 1, et let's go pour les squats. Allez, c'est parti. Dernière minute. Après quoi, on attaque. Ceux qui rejoignent. Parfait, ceux qui nous rejoignent. Raconte-leur pour ceux qui nous rejoignent. Alors, ceux qui nous rejoignent, on vient de terminer, là, dans 37 secondes, on va terminer la phase d'échauffement. Donc, si vous voulez attaquer avec nous après, bien évidemment, essayez de vous échauffer quand même de votre côté, mais vous pouvez très bien attaquer avec nous la prochaine, enfin le petit circuit. On vient de terminer l'échauffement là. 23 secondes. J'ai une pointe dans le dos, je sais pas ce que j'ai. Je vous raconte ma vie, mais 17 secondes.
15 secondes. Moi, j'ai pas du tout mal au pied. 9 secondes. C'est grave, si on fait pas l'échauffement, il y a marqué bah, grave. Tout dépend de. 3, 2, 1, top. Vaut mieux s'échauffer. Quand même. Vaut mieux s'échauffer. Ouais. Ok. Ça t'a fait mal au pied, c'est bizarre. Ça t'a fait mal au pied ? Ouais, dans les pieds. Bah, moi, pas du tout. Comment ça, au pied ? Au creux du pied ? Non, sur les techos. Ah ouais, sur n'importe quel mouvement ? Tous les mouvements ? Non, c'est à cause du gainage. C'est le gainage. Ah, le gainage dynamique quand tu ah jumps. Ouais. Ok, d'accord, ok. Ah ouais. Nous, ça sent le. Il faut fermer là-bas, je pense. Ça sent quoi, la nourriture ? Non, non, ça sent le. Ça sent, il y a mon fils qui va venir et. Qu'est-ce que je l'aime, comme ma fille, évidemment, mais. Par contre, lui, il est. Il peut pas. Juste... Ouais. Ah bah, il va juste faire la folie, ça va être un bonheur, mais il n'y a plus de cours. Ah ouais, d'accord, ok. Il va juste okay. faire la fête, sinon. Il va juste faire la fête. Ok. Bon, respirez de votre côté, je vous explique ce qu'on fait. On va partir sur un petit circuit évolutif, ok ? Et vous okay. allez pouvoir vous mesurer à McFly donnant votre score, ok ? Je vous explique le principe. Vous nous certifiez que vous avez bien compris, enfin certifiez en tout cas vous nous mentionnez que vous avez bien compris, et ensuite vous pourrez bien évidemment vous mesurer à McFly et nous dire votre résultat pendant 15 minutes, ok ? Tu vas devoir faire un burpees, 2 pompes, 3 sit-ups. Ensuite, 2 burpees, 3 pompes, 4 sit-ups. On rajoute une unité à chaque fois. Une unité à chaque fois. Et on commence par un burpees, ensuite 2 pompes et 3 sit-ups. OK ? Et pendant 15 minutes, il faut que tu ailles sur la marche la plus élevée possible. Autrement dit, je sais pas moi, peut-être 10 burpees, 20 pompes, et 30 sit-ups, tu vois, la marche numéro 10. Peu importe, peu importe la marche que vous allez effectuer, ne vous inquiétez pas. Essayez quand même de vous challenger en ne pas, en effectuant le moins de pauses possible. Je répète une dernière fois. Il est fou. 15 minutes non-stop où il faut essayer de gravir les échelons. Vous allez commencer par un burpees. Notez de votre côté. Ensuite, attends, deux pompes. Ouais. Est-ce que quand il y a un seul, on dit un burpee, du coup ? Un burpee, ouais. Je crois que c'est un burpee. Hey, tu sais quoi ? Tu me poses une colle. J'ai même pas envie de dire un burpee. Non, je sais pas la vérité. Mais non, c'est un burpee. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Tu es en train de me retourner le cerveau. Oui, oui, totalement. Mais oh là là, tu me rends dingue à me retourner le cerveau. En période de Ramadan, vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi. Je suis tellement innocent et naïf. C'est parce bien. Que j'ai la, parce que le sang il circule trop lentement là dans le cerveau. Mais c'est bien ça. Ok. Donc je vous disais un burpees, 2 pompes, 3 sit-ups, les abdos. Ok. Veillez okay. bien à faire 1, 2, 3. Les mouvements. Vas-y. 1, 2, 3 et moi je te drive à chaque fois. Je te dirai 1, 2, 3, 2, 3, 4. Tu vois à chaque fois on avance. Ok ok ok. Ouh ok pendant okay, 15 vas-y. Minutes. Ok vas-y hein. Putain. Alors let's go. Je vais prendre. Je vais prendre une feuille vierge, comme ça, moi je te suis. À tous les coups, je vais te donner sinon une mauvaise indication. Un burpees, 2 pompes, 3 sit-ups, 15 minutes, non-stop. Ok ? Allez, je mets le chrono. Allez, mets-toi bien sur ton tapis, mon cœur. C'est les pompes, Laurent. C'est les pompes pour 2 starts. J'ai oublié. Ouais, ouais, ouais. Un burpees, 2 pompes, 3 sit-ups. Ok, ok. Et vous rajoutez une unité à chaque fois. Chaque unité, vous rajoutez à chaque fois. Ok, vas-y. Chaque tour, vous rajoutez une unité. On va compris. Allez, vas-y. On est chaud. Allez, tout le monde. Allez, let's go. Je mets le chrono là. Clac, clac, clac. Ok. 9 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, c'est parti. Un burpees. 2 pompes. 3 sit-ups. Les sit-ups, c'est les abdos pour ceux qui se posent la question. Ok. Ok, premier tour. Let's go. 2 burpees. Je vais pas faire un burpees. 3 pompes. 4 sit-ups.
Parfait. Ensuite, 3 burpees. Quatre pompes et 5 sit-ups. Cinq, six, sept. Ah. Ok. Ensuite, on part sur 4 burpees. 4 burpees. Cinq pompes. Et 6 sit-ups. Parfait, parfait, parfait. Allez, va falloir tenir, hein. C'est long, hein. On part sur. Ah ouais, c'est très long. On part sur 5 burpees. 6 pompes et 7 sit-ups. Allez, courage, courage. Tenez de votre côté, là. Moi, je tiens les comptes avec McFly, donc je veux pas trop décoller mon regard du cahier parce que sinon je vais lui indiquer des mauvaises. 6 pompes. Vous pouvez faire les pauses que vous souhaitez, quand vous le souhaitez, mais par contre, il faut essayer de pas le faire de manière trop longue. 7 sit-ups. 7. 7. Allez, tenez bon. Ok, 6 burpees. Allez, 6 burpees. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il vous reste 12 minutes et 22 secondes. On est au début encore. Hein. Sept pompes. À chaque fois, on évolue. À chaque fois, on évolue de une. Après, vous pourrez vous mesurer à McFly sur votre résultat. Et ensuite, 8 sit-ups. 'est bien. Ok, bien joué. Allez, 7 burpees. 7 burpees. Oh, c'est beaucoup. C'est des pauses, mon cœur. Tu fais quoi vraiment? Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 11 minutes et 25 secondes restantes. Huit pompes. Ah, c'est bien. Neuf sit-ups. Parfait. Pensez à respirer, les abdos, contrôlez votre montée, contrôlez votre descente. Je vous invite à chaque fois à veiller à bien faire votre mouvement. C'est très important. Privilégier la technique. Ok, on part sur 8 burpees. Ah, Kim. Ah ouais, je sais. Allez, c'est parti, 8 burpees. Il reste un peu plus de 10 minutes. De votre côté, j'espère que vous le faites, hein, réellement. J'espère que vous êtes dedans. C'est très simple comme logique à comprendre, mais physiquement, c'est plus dur à tenir. Oui, mon cœur. Oui, tu peux arrêter, mon cœur, quand tu veux. 9 pompes. Allez, courage. Faut pas que tu fasses vraiment, c'est beaucoup pour ça, mon cœur. Tu entends comment elle se motive? Si, je vois ça. Ok, 10 sit-ups. Je veux surtout pas perdre le compte, en fait. Je suis en train de me faire les trucs là parce que je vais te donner une mauvaise indication sinon après.
Parfait. Allez, on part sur 9 burpees. 9. Allez, allez, avec. Je peux prendre 5 secondes, non? Tu peux prendre même 20 secondes de pause si tu veux. C'est ton temps contre toi-même. C'est ta course. Une course contre la montre. Allez, on est à 2. Ah, mon cœur. 3. C'est trop mignon. Fais les burpees avec toi. 4. Et elle va aussi vite que toi, même peut-être plus vite. 5. 6. 7. 8. 9. Ok. 10 pompes. Elle transpire d'où? Bah oui, c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas d'âge. On est sur des burpees pompes abdos là. Tout le monde peut les faire. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ne pleure pas, arrête tout si tu veux, ok? Allez, faites-le, faites-le, courage, courage, courage. 11 sit-up, 11 sit-up. Il te reste 8 minutes et 10 secondes. Après, je vous poserai la question de savoir à quelle marche vous vous êtes arrêté, quelle étape. Ok, on part sur les 10. 10 burpees. La barrière des 10. Voilà. Respire. Là, laisse-moi faire un tour, d'accord? Et va boire de l'eau si tu veux. Allez, c'est parti. 10 burpees. 7 minutes et 38 secondes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, courage, 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 on s'accroche. On n'est pas encore dans le rush, rush, rush où il faut essayer d'accélérer, mais on est en plein milieu de l'océan là, au milieu de parcours, milieu de parcours. 11 pompes, 11 pompes. T'as vu, ça tape, hein? Voilà, c'est bien. 12 sit-up. 12 sit-up. Les abdos, serrez, serrez bien votre ceinture abdominale quand vous montez et quand vous descendez. Vous ne devez pas avoir de douleur au dos. Six minutes et 22 secondes et on part sur 11 burpees. On va commencer à arriver dans ma zone. Ah, on y est presque, 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 mais il te reste 6 minutes. Sur les 3 dernières minutes, il va falloir que tu accélères à fond. Pour l'instant, essaie de rester dedans. Allez, go, 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 go. On est à 11 burpees, 11 burpees. Sachant que je te valide la marche, que si tu as terminé tout le tour, ça serait bête d'arriver à mi-parcours. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pompes. Respire, oxygène. 6, 7, 8, 9, 10. Il t'en manque 2. 11, 12. Ok. 13 sit-ups. 5 minutes. Allez, de votre côté, j'espère que vous le faites, hein. J'espère que c'est pas le seul. Il peut pas être le seul sur 9000 personnes à faire l'exercice quand même. Accrochez-vous. Ah, il y a Léopold qui est là. Encore 5 minutes. 4 minutes et 40 secondes. 13 sit-up terminés. On part sur 12 burpees, mon ami. 12 burpees. Sachant qu'à chaque fois, tu mets plus de temps pour finir un tour parce qu'il y a plus de valeur. Je te répète. C'est normal. Et la fatigue.
Oh putain, c'est beaucoup là. Allez, let's go, vas-y, enchaîne. 4 minutes et 20 secondes. Il faut que t'ailles... Léopold, il a dit, ça me fait péter un câble. Il faut que t'ailles sur la fin. Il faut que t'ailles chercher du volume. Il faut que t'ailles chercher de l'intensité, de l'intensité, de l'intensité. Il faut que t'essaies de vraiment de te prendre sur toi et d'augmenter le rythme. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, reste sur un rythme de croisière encore. Il reste 3 minutes et 40 secondes. Dès que tu termines ce tour-là, je te demanderai d'accélérer. Allez, 13 pompes, 13 pompes, let's go. Allez, McFay, courage, courage, courage. On est dans le timing final, quasiment là. T'en es où là, tes 13 pompes? Allez. Ok, 14 sit-up. Maintenant, il faut que tu accélères à partir de maintenant. Les sit-up t'envoient et à partir de maintenant, tu accélères. Il faut que tu arrives à me clôturer en 3 minutes. 13 burpees, 14 pompes et 15 sit-up. Normalement, ça le fait. Hein. Allez, let's go, let's go, let's go. 13 burpees. Fais une pause, mon amour, si t'as mal à la tête. Arrête tout de suite. Écoute-moi, assis-toi. Vas-y, enchaîne. Allez, ça fait 2 burpees. 3. 4. 5. 7. 8. C'est bien. 9, 10, 11, 12, 13, ok, allez, 14 pompes, c'est bien. On a le temps, mais il faut que tu ailles encore. Même s'il y a du chrono, tu essaies d'aller chercher chaque mouvement supplémentaire. Combien de temps il reste? 1 minute et 45 secondes. Mais même si tu termines celui-là, je veux que tu ailles sur l'autre encore. 1:35. Allez, vas-y. C'est là où il faut mettre à profit tout ce que tu as fait. Tout le travail que tu as effectué pendant ces 14 minutes, c'est maintenant qu'il doit payer. En accélérant. 15 sit-up. Allez, mets ton corps à rude épreuve là. Fais-le tester d'autres sensations encore. Secondes. Et il reste 1 minute. Let's go. En 1 minute, fais-moi les 14 burpees. S'il te plaît, 14 burpees en 1 minute. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il reste 17 secondes, 14, vas-y au sol, fais-moi les pompes. Allez, vas-y, enchaîne, même si tu m'en fais 6 ou 7. Let's go, McFly. 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 1. Ok. Bravo. Allez, respire. Dites-nous à quelle étape vous êtes arrivé, quelle marche vous êtes arrivé. Ça va? Oh, putain. Combien j'ai fait moi du coup? Alors du coup toi t'as validé la 13e marche et t'as fait 14 plus
Enfin, t'as fait la 14e marche sans les sit-ups, sans les pompes et sit-ups. Autrement dit, t'as validé les burpees de la 14e marche. Là, vous êtes là. 14 marches. Les gens, ils disent 11, 13, 12, 13, 14. Ça veut dire quoi, ça, 12, 13, 14? Une de moins que McFly, mais pour que je me dernière. 11 marches. 13. Mais ça veut dire quoi, 11, 12, 13? Je comprends pas, là. Ils mettent 13, 14, 15 et tout, ça veut rien dire, les gars. Ah, si, ok. D'accord, ils sont allés jusqu'au 13e tour. 13 burpees, 14 pompes et 15 sit-ups. D'accord, ok. Excusez-moi, autant pour... Ok. Indiquez-nous juste le nombre de burpees. C'est ça qui détermine votre le niveau, enfin l'échelle. Putain, il y a Juan, il a fait 14. Maxence, il y a... Ça a dit quoi, c'est le nombre de répétitions Louis, par exercice. Louis et Louise qui ont fait 14. 14, c'est un beau score. Hein. Mohamed qui a fait 16. 16, Mohamed il est chaud. Putain, c'est très 16, chaud. Ça veut dire 16 burpees, 17 pompes, 18... Mais non, Guico et... Gary de 83, il nous dit 18, frère. C'est possible 18? Allô? C'est chaud 18, non? C'est chaud, ouais. Après, je sais pas, je le connais pas, tu vois. Je peux pas te. Moi, je pars du principe que je vais le croire, tu vois. Je crois ce qu'on me dit. Hein. Après, si les gens mentent, c'est pas. Mais ça voudrait dire qu'il a fait 4 tours de plus que toi, quand même. C'est beaucoup 4, hein? C'est beaucoup 4, hein? Après, j'avoue, je suis pas hyper fier de moi. Ça me rend ouf, mec. Je te jure, je suis pas fier de moi. Mais pourquoi tu dis ça? Tu m'as dit ça sur la dernière séance aussi. Ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre quoi que je galère à faire des pompes et tout, ça me saoule. Est-ce qu'il faudrait pas que tu fasses un ou deux jours de pause, enfin minimum en tout cas un jour réellement de pause, même deux, pour que ton corps puisse... Peut-être qu'au fait, t'es frustré parce que tu sens que ton corps il est un peu fatigué et que t'es pas à fond. Peut-être. Si t'as enchaîné si... Ça me paraît bizarre qu'au bout de 5 pompes, même si c'est dans le 10e tour, je sois rincé, tu vois. Ça me paraît bizarre quand même. Et ben ça doit... Pose-toi les questions de ta fatigue, justement. Elle peut être liée à cette contre-performance. Tu sais, la fatigue, elle joue forcément sur ta productivité. Donc, il faut que tu regardes peut-être si tu ne peux pas faire peut-être 2 ou 3 jours de pause. Tu ressources un petit peu tu te ressources un petit peu, tu recharges les batteries et après tu repars. Peut-être, ouais, mais deux max. C'est vrai que la semaine dernière, je t'ai dit, j'ai fait 6 séances. Et mine de rien, les séances que je fais entre nous, je fais des trucs, tu sais, j'ai le TRX et je fais les pompes comme ça, là, tu sais, avec les pieds en l'air. Ouais. Du coup, ça fait du poids de ouf et ça me fatigue les pecs très fort. Ouais, bah oui, ça doit être ça. Hein. Toujours, attention, la récupération, elle est très, très importante. Hein. On la sous-estime énormément, moi le premier, mais on devrait la prendre en compte. Bon, ok. En tout cas, elle était folle celle-là, encore créatif, encore nouveau, encore du jamais fait et encore pas mal. Mais on va se faire encore un autre exercice. Ouais, je me doute bien que tu vas pas me laisser juste avec ça. On va se faire un autre exercice et j'ai envie de tester On va se faire un death by squat. Death avec l'accent. La mort par le squat. Death, la mort. Death. D-E-A-T-H. Mais oh là là, il est fou le nom de ce truc. Donc, je t'explique. Je vais te fixer. Il est quelle heure là? Il faut me donner exactement 17h43. Il faut qu'on arrête au moins à 57 pour que je puisse me préparer pour la source. Okay. Donc il nous reste combien de temps, ça veut dire? Tu m'as dit 15. Quelle heure? Là il est 43, ça fait 15, mais on va dire que ça fera 14 dans une minute, puis 13 dans 2 minutes, puis 12 dans 3 minutes, puis 11 dans 4 minutes, puis 10 dans 5 minutes. OK. Donc 14, attends, il faut que je calcule quelque chose très très simple. Tac, 7, 9, le nom du programme. Le nom du programme. Tout le monde dit ça a l'air sympa comme programme. Ok, mort alors. Mort par squat. C'est ça le nom de l'exercice. On va commencer par. Ouais. On va commencer par 25 squats. Ok. Ok. L'idée est que tu vas devoir faire 25 squats. L'idée étant que 25, 27, après ça risque de faire beaucoup, clac, 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 clac. L'idée est que tu rajoutes 2 squats chaque minute, à chaque minute supplémentaire. C'est-à-dire, tu vas commencer par 25 squats, tu vas avoir ton temps de pause. C'est comme un aimant, sauf que je te rajoute à chaque fois 2 squats par minute. Et pourquoi death by squat? Parce que tu t'arrêtes
jusqu'à quand en fait la minute, tu n'arrives plus à maintenir le nombre de squats que je t'ai fixé. Ok, sache qu'il y a Mati, Mati Sensity, Sensindy, je sais pas comment elle s'appelle exactement, qui a trouvé le meilleur nom pour cet exercice et ce sera Suicide Squat. Ah, pas mal. Ce sera magnifique. J'aime On part bien. Sur un Suicide Squat, bravo à toi. Très très beau. Très beau Suicide Squat. En plus, c'est une marque de c'est une marque de vêtements ou d'une box de CrossFit qui s'appelle Suicide Squat. Bon ouais, ouais. Bah, j'ai déjà vu. Avec un logo très joli en plus. Ok. Ok, c'est bon, ça te va? Vas-y, hein, écoute, je fais des squats jusqu'à temps que je crève, quoi. Ouais, exactement. Moi, bon, je vais le mettre sur 13 minutes. Ok. Je te rajoute 2 squats par minute et on va partir sur 25 squats au début. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais. Je comprends pourquoi ça s'appelle comme ça. T'es prêt? Ouais. Allez, let's go, c'est parti. 25 squats. Alors, attends, 25. Tac, tac, tac. 26. 25, 26, 50. Ouais, tu vas pouvoir tenir. J'ai envie de t'en mettre 3 en fait par squat, par minute. Faites-moi surtout des très beaux squats. Hein. Ne me faites pas des squats où l'amplitude n'est pas. Où l'amplitude du mouvement n'est pas correcte. Putain, mais mec, avec les burpees avant, là, ça m'a déjà rincé. Ouais, c'est pour ça que je t'ai fixé à 25 parce que j'ai pris en compte ta fatigue juste avant. Ah ouais, quand même, mec, elle est là, je descends. Il te reste 15 secondes. Là, je fais que 2 de plus, hein. Ouais, on fait 2, on va faire 2. 2, ça va être bien, là. J'espère que vous avez compris le principe. Je vais fixer 25 squats par minute. Chaque minute, je rajoute 2 squats jusqu'à ce que mort s'en suive. Let's go, c'est parti. On est à 27. Je vais noter parce que c'est sûr et certain que je vais… 27 squats. 10. 11. 12. À mon avis, c'est mieux que tu comptes parce que s'il y a un bug, après moi, je te zappe le squat. C'est ça le problème. Essaye de bien descendre des hanches en dessous des genoux. Ah 30 secondes. Ok. On est bien. 30 secondes. Suite à quoi? Donc là, tu as commencé à 25. Je vais noter. On va partir sur 29. Dans 15 secondes. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. 29 squats. Descends un petit peu plus bas si tu peux. Voilà. Va chercher la profondeur. 15. Allez, tiens bon, t'en as 29. Ah 30 secondes. Ça va, ça va. À chaque fois, t'es dedans. Ah, sur les premières, faut que je gagne la confiance. Ouais, t'es bien là. Je pense que ça va le faire. Ça va pas te mettre HS, mais tu vas tenir, je pense. Ok. 10 secondes. Putain, l'exercice d'avant, il me fait mal à la tête un peu, c'est fou. 5 secondes. Avec les burpees et tout? Ouais. Let's go, c'est parti. Hydrate-toi aussi, pense à t'hydrater. Bon, là, on est parti, mais sur les 30 secondes, la prochaine, tu fais. Tu t'hydrates. 31 secondes, 31 squats. Suicide squat. Elle est pas mal celle-là. Allez, on tient bon. Le nombre de burpees. Oh là là, mais décidément, le nombre de squats augmente à chaque fois. Oh ok, 27 secondes. De 31, on part sur 33. Ouais, les jambes, elles commencent à devenir lourdes. 9 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, let's go.
33. Pense à respirer, pense à respirer. 33. Voilà, c'est bien, c'est bien. Les genoux partent dans la direction des doigts de pied. Les talons sont ancrés dans le sol. Le dos est bien droit. Les hanches partent vers l'arrière. Et vous faites un beau squat. Oh! 20, 25 secondes. Oh, combien de minutes il reste, putain? Il restait 8 minutes. On va partir sur 35 squats. 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 35, 35, 35. Accrochez-vous de votre côté. Soit vous restez sur le même nombre de squats, soit vous avez commencé sur un nombre inférieur ou supérieur. À vous de voir, mais vous devez le faire. Allez, t'en reste que combien là? Ok, 23 secondes. Bon, je pense que tu vas finir par terre. On va partir sur 37 squats, 37 squats. Putain, mais ça fait beaucoup de squats, ça. Ah bah oui, je sais. Ça porte bien son nom. Souviens-toi de son nom et tu comprendras la signification. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sur 37. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Top. 18 secondes. Écoute, va falloir que tu t'accroches parce qu'il reste 6 minutes. Et il y a moyen que tu craques, mais il y a moyen aussi que tu tiennes. Réellement, là, on est sur un mi-chaud, mi-froid. 5 secondes et on part sur 39. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, let's go. 39. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 sur 39, 36, 37, 38, 39, 15 secondes, McFly, 15 secondes. Et on va partir sur 41. Fais de malade. Après, 3, 2, 1, let's go, c'est parti. La définition du death by squat, enfin par n'importe quel exercice, c'est que tu as le droit de mourir quand tu veux. Mais moi, je t'ai fixé 13 minutes parce que le live va terminer après, tu vois. Mais tu peux mourir quand tu veux, globalement. Allez, on tient bon, on tient bon. T'es à combien? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 sur 41. 33, 34, 25, 35. T'en manque 6. 38. 39, 40, 41, 12 secondes, 12 secondes. Putain, ça serait marrant de savoir combien t'en as fait au total. Ouais.
Let's go, c'est parti pour 42. Allez, let's go. Il te reste 3 minutes, 3 épreuves. 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non. 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 20 secondes, tu dois en faire 42, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 et 10 secondes, 38, 39, 40, 41, 42, 6 secondes, punaise, on approche de la mort là. Je pense que tu craques sur la minute d'après. Allez, c'est parti, let's go. Il faut que tu en fasses 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, si t'es pas dans la minute, 21, 22, 23, 24, ça sonne la fin. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, tiens-toi un peu plus droit, mais c'est bien. 36, 37, 38, 39, 40, il te reste 4 secondes. 41, 42, 43, 44. Soit t'enchaînes maintenant, soit t'es mort. T'en as 46 à faire. C'est ma dernière minute ? Non, c'est l'avant-dernière. Mais là, t'es déjà un peu mort. Là, t'as niqué 10 secondes. Vas-y, pars sur 45 secondes de squat maximum. 1, 2, jusqu'à ce que mort s'en suive. 3, 4, 5. Ne t'arrête pas jusqu'à la dernière seconde. 6 sur les 35 secondes. 7, 8. Allez, vas-y, 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 vas-y. C'est le principe de jusqu'à ce que mort s'en suive, là. 28 secondes, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Enchaîne, enchaîne, faut que ça pète, faut que tes cuisses, tu sentes qu'elles vont exploser. C'est le cas, là, c'est le cas, putain. 17 secondes, tiens-toi droit, les genoux partent dans la direction des doigts de pied toujours. Voilà, 10 secondes. Vas-y, fusille maintenant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et time. Voilà. Ça va? Non. Les gars, c'est fou quand même là, ça fait beaucoup de squat. Là, ça fait beaucoup, ça fait 25 plus 27 plus 29 plus 31. Bref, faudrait calculer là. J'ai pas de calculatrice, mais. Ah ouais, les cuisses là, elles sont congestionnées là. Oh, je sais plus comment j'ai mal. Je sais plus comment j'ai mal tellement j'ai mal. Je sais plus comment j'ai mal. Si vous faites les exercices de votre côté, je vous le rappelle encore une fois, veillez toujours à bien faire le mouvement. C'est très, 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 très Putain, important. Il était fou le suicide squat. Il est bien, hein? Oh, il est incroyable. Et tu peux faire un suicide de tout ce que tu veux, un death by ce que tu veux. Tu peux faire un suicide de tout ce que tu veux. Vélo, éco-bike, grammeur. Ouais, bon, la phrase, elle est un peu bizarre. Oh la vache, j'ai la folie qui vient dans mon cerveau, là, tu sais. Après ça, là. Je sais pas. Mais ça si fait du bien, là. Je sais pas quoi, là. Ouais, ça doit être ça. Mais ça fait du bien, tu commences ta semaine d'un bon pied, du bon pied. Ah là, de la bonne cuisse, ouais. De la bonne cuisse, ouais. Ah putain. Ok. Merci à tous d'en avoir fait, mais vous connaissez les vrais. Hakim, il doit partir parce que là, il a un cours avec. Là, dans deux minutes, là. Ouais. On va libérer Hakim. Comme d'habitude, merci de ouf pour toute ta créativité, tes cours. Avec grand plaisir. Désolé pour mon énergie un petit peu au raplapla. T'inquiète. Suivez la source, suivez Hakim. Pour les vrais, on fait un tabata abdo ou un tabata boule pour ceux qui préfèrent. Mais pour moi, c'est tabata abdo. On le fait sans Hakim. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve un chrono pour faire un tabata.
Donc je vais demander à quelqu'un de me filer son tel, bouge pas. Tu peux y aller, toi. Ouais, ceux qui n'ont pas fait la séance ou qui veulent se dépenser ou qui veulent s'entraîner, rendez-vous maintenant sur la source. Je pars sur un live maintenant pour ceux qui veulent s'entraîner avec moi. Allez, à toutes. Can you give me your phone, please? Sorry. Ok, Hakim, on t'embrasse. Merci de vous. À toutes. Ciao. Allez, bisous, frérot.